Eh bien, salut tout le monde, c'est Lunatic. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je vais vous parler un petit peu de la V3 de ZenCraft et de mon projet. Alors, comme sur la V2, j'ai un projet de ville, sauf que là, ça va être immense. Genre, vous pouvez même pas imaginer. On est plus d'une dizaine de personnes sur le projet. Ce sera une ville avec une ville principale qui s'appellera Akina et avec plusieurs villes autour qui seront toutes certifiées, et ce sera des villes qu'on appellera des arrondissements puisqu'elles seront autour de la ville principale. Donc chaque ville aura un maire, donc chaque arrondissement aura un maire, et donc moi je serai maire de Luna City comme dans la V2, le même nom, sauf que là le projet n'est pas le même, on aura un thème différent. Et donc je vais vous présenter le thème dans cette vidéo et vous parler un petit peu de la ville. Voilà, vous montrer le plan d'Akina aussi, donc de la capitale. Et puis voilà. Donc pour le thème de Luna City, ce sera un thème strasbourgeois troyen. Donc si ça vous parle pas trop, c'est pas grave, je comprends. Je vais vous montrer dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais construire une maison de ce type et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc c'est des maisons en fait qui sont fines et qui sont super hautes avec plusieurs couleurs. On peut les faire de toutes les couleurs et quand on les colle les unes aux autres, ça fait quelque chose qui est vraiment beau. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo. C'est parti. Donc premièrement, les blocs dont on a besoin, c'est du béton. Donc la couleur, on prend la couleur qu'on veut. Moi je vais faire une maison. Donc, moi par exemple je vais faire une maison rose, en béton rose. Donc je prends pas une couleur qu'on prend souvent. Pareil, le bois on prend la couleur qu'on veut. Moi j'aime bien travailler avec des bûches de sapin. Donc je prends des bûches et du bois aussi de sapin. De l'écorcé. Il va me falloir des boutons en sapin. Des trappes. Donc les trappes en sapin aussi. On va prendre des escaliers. Alors les escaliers, c'est comme on veut. Moi, je vais prendre du sapin aussi, puisque le chêne noir est beaucoup trop foncé. On va aussi prendre des barrières. Donc les barrières, là, on va pouvoir les prendre en chêne noir. Ça rendra bien avec les bûches de sapin. Pour le sol de la maison, on peut prendre ce qu'on veut. Perso, j'ai envie de tenter du grès. Mais après, on prend ce qu'on veut. Ok, donc voilà, donc j'ai pas fait les côtés, puisque en soi c'est la même chose que le devant. J'ai juste fait la façade pour vraiment vous donner une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que des maisons comme ça, il y en aura beaucoup. Elles seront souvent collées, puisque en fait les maisons on peut les coller clairement. Il y en a qui seront plus hautes, il y en a qui seront plus basses, il y en a qui seront plus larges, il y en a qui seront moins larges. En fait, il y aura toutes les tailles possibles. Il y en a qui en bas auront une petite avancée. Il y en a qui auront des balcons ici et ici. Il y en a qui n'en auront pas. En fait, ça se sera construit au feeling. C'est-à-dire que là, la maison que je viens de construire, j'avais pas du tout de plan. Je l'ai vraiment fait au feeling. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de faire les choses au feeling. Et au final, on se rend compte que bah, le rendu est plutôt pas mal.
plusieurs décorations d'intérieur. Il y en a qui seront fleuries, il y en a d'autres non. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Il y en a d'autres qui ne le seront pas. On aura des parcs naturels, un terrain de foot, etc. Donc là, on va aller chercher le plan et je vais vous expliquer un petit peu quelles choses vont être où. Donc, on va commencer par Akina, donc le centre-ville. Donc, voici le plan d'Akina. Donc, ça, c'est le centre-ville. Sur ce plan, il n'y a pas les maisons. Il y a seulement les bâtiments principaux et il n'y a pas les routes. En fait, si les routes sont en marron, mais elles seront sûrement un petit peu modifiées par rapport à l'emplacement des bâtiments qui ne seront pas pile poil à ces endroits. Je pense que vous pouvez comprendre. Et c'est pareil pour mon plan, les bâtiments ils seront pas pile poil et les tailles ne sont pas forcément réelles. Donc on verra au niveau des routes. Les maisons ne sont pas non plus mises dessus, elles seront rajoutées en fonction de la place qu'on a à tel endroit. Voici le centre-ville. En zéro, ici nous avons le spawn, donc c'est ici qu'on va spawn. En 1, on peut voir que c'est l'agence immobilière, donc c'est ici que les gens pourront savoir le prix des maisons et pouvoir les acheter aussi, savoir à qui s'adresser pour pouvoir les acheter. En 2, on a l'accueil d'Akina, donc ici on aura toutes les informations sur la ville, tout simplement. En 3, on a l'arche de bienvenue. Donc, qui traverse toute la route. Donc, ce sera une grande arche. Tout simplement, dès qu'on va spawn, on va avoir la grande arche qui souhaitera la bienvenue aux gens. En 4, on a la salle des remerciements. Donc, les remerciements pour les builders, ceux qui ont aidé pour construire la ville, ceux qui ont financé la ville aussi, puisque ça coûte beaucoup d'argent de faire une ville, tout simplement. Et puis les amis aussi qui sont venus donner des idées, des choses comme ça. En 5, on a la mairie qui sera ici. C'est un gros bâtiment quand même. Donc voilà, la mairie, hein, comme dans une ville. Et chaque arrondissement aura une mairie aussi. Donc nous, dans Luna City, on en aura une. En 6, donc le 6 ici, ce sera le casino principal d'Akina. Voilà, donc il y aura peut-être plusieurs casinos dans les autres arrondissements, mais celui-là sera vraiment le meilleur casino, on va dire. Le 7, il est là. Donc ces trois bâtiments, il y a table d'enchantement, spawner, il y aura enclume, il y en aura d'autres aussi, mais je ne sais plus c'est quoi. Donc en 8, on aura la salle des projets en cours. Donc nous aussi, on l'aura dans Luna City, cette salle. Donc dans cette salle, sur des livres ou des pancartes, il y aura noté tous les projets qui sont en cours pour la ville. En 9, on aura le musée des statues de fer. Donc ce sera un bâtiment, ce sera un musée, et dedans il y aura des statues en fer. Voilà, tout simplement. En 10, en noir là, ici, ce sera la montagne d'Akina. Donc il y aura une montagne donc qui s'appellera le mont Akina. Et donc ici, il y aura une montagne. En 11, on a les champs publics et les autres farms qui seront pour les habitants, tout simplement. Donc en 12, on a le centre commercial. Alors attention, le centre commercial, on ne sait pas s'il sera là ou pas, car dans Luna City, il va y en avoir un qui va être énorme, et donc on ne sait pas si ça vaut le coup d'en faire plusieurs ou pas. Donc dans le centre commercial, en fait, les habitants auront le choix de choisir un magasin qu'il y a dans le centre et de pouvoir faire leur shop dedans, tout simplement. Donc ça, ce sera payant, bien sûr, puisqu'il faut que la ville se finance, c'est comme la vente de maisons ou de parcelles. En 13, ici, on a la carte de la ville. Donc, tout simplement, à cet endroit-là, on aura la carte de la ville. Il y aura tous les arrondissements sur cette carte, bien sûr. En 14, on a la fontaine des fondateurs. Donc, c'est là où il y aura tous les fondateurs de la ville, tout simplement. Donc, pas loin du spawn, en face de l'arche de bienvenue. Et en 15, on a la statue initiale. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Je me réserve la surprise, écoutez. Et comme ça, vous aussi, vous aurez la surprise de ce que c'est. Voilà, ici, on a le musée des Mappart en 16. Et donc, c'est la dernière chose que je vais vous montrer sur ce plan. Donc, il servira tout simplement à vendre des Mappart qui seront faits par des joueurs, pas forcément des habitants de la ville, je ne pense pas. Donc, voilà. Et donc, nous voilà sur le plan de Luna City. Alors, il est plus simple que l'autre, il est plus petit aussi. Il n'est pas fini à 100%, mais il y a déjà les bases. Et bien sûr, il n'y a pas les chemins, il n'y a pas les maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des décorations de partout, des statues de partout. Donc voilà.
Donc en 1, on a le spawn de la ville. Tout simplement, c'est pas compliqué. En 2, on a le monument de Luna City. On ne sait pas encore ce que ça va être, ce monument, mais sachez qu'il y aura un monument. Donc la taille du monument sera peut-être plus grande ou plus petite, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc j'ai juste mis un petit truc en gris là, et puis on verra bien la place que ça prend. J'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup de place autour, et limite, s'il faut manger un petit peu ici, puisque ici ce sera une forêt, s'il faut manger sur la forêt, on mangera un petit peu sur la forêt, c'est pas grave. En 3, on a la mairie. Voilà, donc ce sera tout simplement la mairie de la ville qui sera toujours dans le thème de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Strasbourgeois Troyen. Et en 4, on a la salle des projets. On ne sait pas encore si la mairie et la salle des projets, ce sera le même bâtiment ou pas. Et on verra bien au feeling comment on fait. En 5, ici, nous avons le centre commercial, donc qui a une forme de téléphone là, mais de lune, de croissant. Donc voilà, donc on ne sait pas s'il sera là ou s'il sera dans Akina ou s'il y aura les deux ou s'il n'y aura que celui-là en fait. On ne sait pas encore, on est en train d'y réfléchir et on verra bien quand le serveur sera ouvert aussi. En 6, ici, on aura le parc naturel. Donc ce sera un parc qui sera traversé par une rivière artificielle qui proviendra d'un lac artificiel aussi. Donc ce parc, il y aura des arbres, des fleurs, des décorations, des bancs, des... En fait, ce sera un endroit qui sera mignon pour la ville, tout simplement. En 7, on a le lac artificiel de Luna City. Donc ce sera un grand lac artificiel. Dessus, on mettra sûrement des cygnes, des canards, des choses comme ça, des poussins. On essaiera de faire ce qu'on peut en décoration. Et au milieu, il y aura peut-être un îlot central et qui sera accessible avec un pont. Donc je ne l'ai pas fait sur le plan. Parce que sinon ça allait être un petit peu le bordel. Mais ce sera sûrement fait. Pas forcément direct. On fera peut-être le lac d'abord et plus tard on fera l'îlot central avec le pont. Mais pour l'instant ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un lac. Ça c'est sûr qu'il sera là. Et donc ce lac déversera sur une rivière ici en 8. Donc pareil, elle sera artificielle. La rivière part vers le bas, donc vers un autre arrondissement. Mais on ne sait pas si elle va vraiment y aller. Soit la rivière... Elle va s'arrêter dans une sorte de tunnel sombre, et puis voilà, terminé. Ou soit on essaiera de faire en sorte qu'elle aille dans l'arrondissement d'à côté, et puis pourquoi pas passer au centre-ville. On verra plus tard comment, selon la place qu'on a, et faut voir avec le maire qui sera en dessous. En 9, on a le château, donc qui sera pour moi et ma copine. Donc ma copine, ce sera la maire adjointe, donc on habitera dans ce château. Qui est grand quand même, on voit que ça fait presque la taille d'un terrain de foot ou la taille du lac. Donc ce sera un grand château qui sera construit pas dès le début. On va d'abord faire les choses principales du style le spawn, le monument, la mairie, la salle des projets, le parc naturel. On va faire le lac avant de faire le château aussi. On fera la rivière qui passe dans le parc naturel. On fera quelques maisons aussi pour pouvoir financer le projet. Il faudra qu'on ait quelques habitants qui nous payent des maisons. Donc ça, les maisons, ce sera fait assez rapidement quand même. Elles seront assez proches du spawn si possible. Donc voilà. Donc en 10, on aura le terrain de foot de Luna City. On ne sait pas encore si on va faire des tribunes autour ou si on fera juste un terrain et puis avec des décorations autour. On ne sait pas pour l'instant. C'est pas encore réfléchi. Et en 11, on a la forêt de Luna City. Donc ce sera une forêt avec des petits chemins, etc. Ce sera assez mignon. Et donc ici on voit qu'on a les flèches. Donc ce sera l'extension de la ville pour plus tard. Parce que pour l'instant ça ce sera le centre-ville. Et plus tard ici il y aura sûrement des habitations et puis d'autres bâtiments. Hein. Peut-être le shop de Luna City qui sera un shop avec beaucoup beaucoup de choses à vendre qui proviendront de Luna City. Des farms de Luna City aussi. Puisqu'on compte faire des farms en souterrain. Et donc voilà, donc je vous ai présenté ce projet qui nous tient à cœur et on est vraiment pressé de le faire. On aimerait bien que ZenCraft ouvre rapidement, ça fait quand même un an malheureusement. Donc c'est prévu pour fin de l'été, donc sûrement un mois et demi, on verra bien. Et donc voilà, donc c'était l'épisode 1 de la série sur ZenCraft et on se retrouve prochainement quand le serveur sera ouvert, on espère. Ou peut-être qu'on fera un épisode 2 quand le serveur sera fermé, mais je ne pense pas, je n'en vois pas l'utilité du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Donc, bonne journée à tous, c'était Lunatic, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en espérant sur ZenCraft. Salut, salut!